Bienvenue messieurs, bonjour, bienvenue au Centre d'analyse stratégique. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement a souhaité qu'on se penche sur le centre, identifier les aides publiques qui pouvaient s'avérer néfastes à la biodiversité, plus précisément qu'un groupe présenté par Biodiversité le fasse. Il lui a également demandé de proposer des pistes d'évolution et de réforme afin de réduire, voire d'annuler leurs dommages sur la biodiversité. C'est un sujet qui est vraiment d'actualité au niveau international, européen et national. Au plan international, c'est une préoccupation qui figure parmi les six prioritaires du plan stratégique de la Convention sur la diversité biologique adoptée à Nagoya, il y a exactement un an, le 29 octobre 2010, il y a presque un an. En Europe, la Commission a annoncé il y a un mois son objectif que les subventions de monnaie à l'environnement soient supprimées d'ici 2020. Et en France, enfin, cette préoccupation est évidemment au cœur du Grenelle de l'environnement et figure en bonne place dans la stratégie nationale pour la biodiversité qui a été présentée en mai dernier par la ministre de l'Écologie. Je voudrais, avant d'entrer un peu plus avant dans le contenu, mais pas beaucoup, parce que je vais surtout laisser la parole à Guillaume Saint-Denis, le remercier très sincèrement. Guillaume Saint-Denis est maître de conférence à l'École Polytechnique et il a consacré énormément de temps, d'efforts à la préparation de ce rapport avec tous les membres du groupe de travail. Et je pense que vous constaterez à la lecture du rapport, parce qu'évidemment vous n'allez pas vous arrêter à la synthèse qu'on vous a proposée, mais vous allez vous plonger dans le rapport qui est très dense, mais qui a des synthèses, des listes de recommandations, toutes sortes de choses pour en faciliter la lecture. Et vous verrez à quel point c'est un rapport extrêmement complet qui brosse vraiment la question, enfin, qui aborde la question posée sous tous les angles. Et tous les angles, c'est très très large parce qu'en fait, la biodiversité, ça touche à énormément de domaines de notre vie économique, de notre vie de tous les jours. Et le rapport a vraiment pris ce champ large, à la fois pour qu'on ait la vie ensemble, également pour que le gouvernement ait l'ensemble des axes pour choisir ensuite lesquels il voulait privilégier dans un premier temps, dans un deuxième temps, parce qu'il y a des choses qui répondent évidemment à des échéanciers différents. Mais je trouve que le rapport est précieux pour ça parce qu'il est à la fois complet et en même temps il est très précis dans la manière dont il aborde les différents sujets. Quelques remarques générales sur le thème qui nous réunit. On sait désormais que la biodiversité, c'est la réalité pas seulement des espèces et des gènes, mais des écosystèmes et des interactions entre les espèces. L'homme, sans en être toujours conscient, bénéficie évidemment d'un grand nombre de services qui sont rendus par les écosystèmes et qui sont le fait de la biodiversité. On peut penser évidemment à la nourriture, au combustible, au matériel de construction, si c'est le plus évident. Mais au-delà de ces biens qui sont appropriables par l'homme, la biodiversité assure la purification de l'air et de l'eau, la stabilité du climat et de la planète, la modération des inondations et de ses sécheresses, le maintien des ressources génétiques qui contribuent notamment à la sélection variétale des cultures et des animaux d'élevage. Donc c'est vraiment au cœur de beaucoup d'enjeux environnementaux, même si on ne les relie pas directement à la biodiversité. Deuxième remarque, c'est que la France possède un capital exceptionnel en matière de biodiversité, notamment avec ses collectivités d'outre-mer. Si on prend la France, y compris les DOM, elle recense plus du tiers des espèces qui sont recensées au niveau mondial, hein, donc c'est considérable. Hein. Et la métropole accueille 40% de la flore d'Europe. Mais vraiment pour insister sur cet aspect des collectivités d'outre-mer, qui ont été largement traitées d'ailleurs dans le rapport, il faut savoir que la flore et la faune de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, sont comparables à celles de toute l'Europe continentale. Je ne dis pas ça pour vous inciter à y aller forcément tout de suite, mais pour dire à quel point ce capital de la biodiversité ultramarine est important. On le sait, donc je ne reviendrai pas largement dessus, mais ça mérite d'être rappelé très souvent. On est devant une diminution et des menaces à la biodiversité qui sont considérables. On a parlé de nouvelles extinctions des espèces. Certaines évaluations estiment que le rythme des extinctions actuelles est jusqu'à 1000 fois supérieur au rythme naturel. Et l'homme qui est la victime de la perte de biodiversité compte tenu de tous les intérêts qu'il en retire est évidemment le premier responsable de ce déclin. Avec cinq principaux facteurs. Le premier et de loin, c'est la destruction et la détérioration des habitats naturels et semi-naturels. C'est l'imperméabilisation des sols, c'est les parkings, c'est les entrepôts. Il y a la surexploitation des ressources naturelles renouvelables, au premier rang desquels les stocks halieutiques, le doux, c'est les sols.
IUT, ça touche diversement directement à la biodiversité. L'eau douce, elle est seule indirectement, mais de manière évidente. Ensuite, il y a les pollutions, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, et enfin le changement climatique, dont les effets sont certainement devant nous pour une large part, malheureusement. Ces pressions sont multiples, elles viennent de tous les secteurs de l'économie, mais c'est un domaine dans lequel, autant on commence à prendre en compte de manière sans doute insuffisante, et c'est un travail qui est en cours, mais on commence à prendre en compte le réchauffement climatique, en particulier parce que c'est quelque chose qui est plus facilement mesurable, donc mesurer les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, autant il y a certainement des grands progrès à faire pour que les différents secteurs de l'économie prennent en compte également la pression qu'elles exercent sur la biodiversité. C'est la raison pour laquelle il nous paraissait important, c'est la première étape, de regarder tout ce que fait la puissance publique et comment modifier les aides, les prélèvements, la fiscalité, les dispositifs publics pour les rendre plus facilement, pour les rendre plus favorables à la biodiversité. Et c'est ce qu'a fait le groupe, en ayant une définition, comme je dis, très large des aides publiques, qui couvre à la fois les subventions, les dépenses fiscales, les avantages d'origine réglementaire, la non-application ou l'application partielle de réglementation, les subventions explicites ou implicites, les tarifs. Donc vraiment une acceptation très large qui permet de couvrir l'ensemble des manières dont la puissance publique touche la biodiversité. Le groupe de travail a rédigé plus de 80 recommandations, je ne vais pas les énumérer, je n'ai d'ailleurs pas à en dire grand chose parce que je pense qu'il vaut mieux que ce soit Guillaume Satny qui présente les principales. Je vais juste vous indiquer d'un point de vue méthodologique que vous avez dans le dossier la note de synthèse. On a retenu quelques grandes propositions qui nous paraissent à la fois importantes et emblématiques de la démarche du rapport et que je renvoie au rapport pour le détail de ces propositions, à la fois les grands objectifs et les choses ensuite très précises dans les différents domaines qui ont été regardés par les rapporteurs pour que vous ayez des idées aussi précises que vous le souhaitez, donc sur les temps que vous aurez à consacrer sur les différentes mesures qui font l'objet de recommandations. Ce rapport a été présenté à la directrice de cabinet de Nathalie Cochot-Morizet qui avait commandé ce travail et installé d'ailleurs la commission initialement. Ça lui a été présenté hier. On a notre connaissance, je peux vous dire, avec beaucoup d'intérêt. Et je pense que le gouvernement, maintenant, qui est saisi de l'ensemble de ces propositions, va regarder prochainement celles qui lui paraissent pouvoir être mises en œuvre. J'en suis heureux parce que je pense que c'est un sujet très important. Et je voudrais simplement, en conclusion, remercier Guillaume Satny, je l'ai déjà dit, Jean-Michel Salle, directeur de recherche au Sénat de Montpellier, qui a assuré la vice-présidence du groupe de travail, et tous les membres du groupe de travail, l'ensemble des rapporteurs, sous l'autorité de Dominique Oberlo, le chef du département, et tous les membres du Centre des stratégies, et d'ailleurs, qui ont contribué à ce travail. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette conférence.